Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. De retour sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec le commissaire Lebars, avec Karim Zerebi, Alexandre Devecchio du Figaro, Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. J'aimerais qu'on s'intéresse au procès d'un chauffeur de camion qui a renversé puis littéralement tabassé un cycliste. Ce procès de la violence gratuite, ordinaire, barbare, banale, que ne supportent plus les Français. Il se tient aujourd'hui au tribunal correctionnel de Saintes, en Charente-Maritime. Les faits se sont déroulés en janvier dernier. Explication de Quentin Gribel. On verra dans un instant ce que le procureur a requis. Ils sont près de 80 cyclistes réunis devant le palais de justice de Saintes en soutien à Michael, la victime du chauffard. Parmi eux, Teodoro Bartuccio, président de l'association Mon Vélo est une vie. Si on est là, évidemment, c'est pour faire comprendre que toute la communauté cycliste en a marre et tout simplement, on est derrière la victime et surtout, on attend avec impatience cette décision qui, espérons, sera très ferme. L'agression remonte à janvier dernier. Le cycliste, dépassé de près par un 26 tonnes, active sa caméra. Le camion change de trajectoire subitement et percute le vélo. L'accusé sort alors du véhicule et frappe à plusieurs reprises le cycliste. La victime s'en sortira avec plusieurs fractures et un traumatisme psychologique qui dure, d'après son avocat Michel Benezra. La question, c'est même plus de se poser de savoir s'il va refaire du vélo ou il va monter dans une voiture. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il va sortir de chez lui? Puisque ce dernier s'enferme chez lui, a peur de sortir. Et je pense que cette décision qui va intervenir va participer finalement à sa guérison. Selon l'avocat, dans 80% des cas où un cycliste est percuté sur la route, l'acte est volontaire. Commissaire Lebars, c'est hallucinant parce que là, non seulement il se fait renverser par un chauffeur de camion, mais le type descend et le tabasse. Il lui donne des coups de poing. Oui, c'est une illustration de la délinquance ordinaire avec... On est sur une route de campagne, une toute petite route de campagne. Avec un déchaînement de violence totalement ahurissant. Il y a un nombre d'infractions incroyables, parce qu'il y a même le fait qu'il le tabasse à plusieurs. Enfin, j'ai pas vu toutes les images, mais il descend à deux. Enfin, il y a tout ce qui est lâcheté, violence gratuite, avec des blessures en plus assez fortes. Après, quand on sort de cette affaire-là, qui n'est pas une affaire isolée, on voit très bien l'état de la société quand on voit les comportements routiers et finalement ce niveau de tension qui augmente sur le comportement routier. J'ai discuté avec un avocat il n'y a pas longtemps, il appelle ça la bordélisation de l'espace public, c'est assez vulgaire mais ça dit tout. Et quand on en est là sur l'espace public, et c'est un des vrais sujets de la délinquance, hein, c'est tous les citoyens. Il n'y a pas des jeunes, des plus vieux, ou des gens des quartiers, ou des gens des beaux quartiers. Il y a des gens qui ne supportent plus d'être les uns à côté des autres sur la voie publique, qui en viennent aux mains pour un feu rouge, pour avoir pris la place de l'autre, un routier parce que le vélo devait peut-être le gêner, le motif complètement ahurissant. Et c'est extrêmement grave parce que ça en dit long sur le fait qu'on peut passer à la violence pour quelque chose qui est totalement anodin, même si l'affaire est très grave. Donc moi j'espère évidemment, mais j'en doute pas, que la condamnation sera sévère. On pourrait peut-être se dire que ça aurait été mieux que ça soit immédiatement, deux jours après, pour que ça vienne tout de suite, une fois de plus. On revient sur les moyens de la justice. Mais ce sujet de la violence sur l'espace public pour des motifs de circulation routière, c'est très inquiétant, parce que ça en dit long sur l'état de la société. Et on a vu l'augmentation des chiffres de la mortalité sur la sécurité routière, essentiellement liée à des accidents de vélo aussi. Juste sur les réquisitions, le procureur a requis là pour cet homme 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, donc il n'ira évidemment pas en prison. Annulation du permis de conduire avec impossibilité de le repasser avant 2 ans. Pas de mandat de dépôt, obligation de soins aux cyclistes. C'est minimum ça? C'est service minimum ou pas? J'ai envie de dire que si la victime, et je ne connais pas tous les faits, estime que ce n'est pas le cas, il pourra faire appel. Tout comme le parquet d'ailleurs, qui peut, s'ils ne sont pas satisfaits du jugement qui sera rendu. Mais il faut attendre de voir le jugement qui va être rendu. Je ne vais pas relativiser cette affaire, mais on n'est que sur une affaire de violence commise sur la voie publique et lors d'une infraction routière. Ça dépend des antécédents du chauffeur. Ça ne paraît pas beaucoup comme ça, mais on ne va pas non plus mettre 20 ans de prison à des gens qui se battent et qui commettent des blessures. Donc il faut rester objectif. Mais il faut que ça soit, faut que ça marque le coup. Après, encore une fois, vous savez, moi, les petites peines, je pense qu'en France, si on avait eu la culture des petites peines, enfermer ou punir vite plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour désengorger les prisons, on aurait sans doute évité beaucoup de comportements qui se sont reproduits avec ce sentiment d'impunité qui s'est répandu. C'est Jean-Michel Decazes qui suit ce procès pour nous. Il nous tiendra au courant ce que le tribunal s'est retiré pour délibérer. Karim Zerebi, ça participe, ce genre de scène, à l'exaspération des Français en réalité. Le Stade de France dans un autre registre, les agressions contre les policiers, on va en parler aussi dans un instant. Mais ça, ce genre de séquence, violence gratuite, vraiment pour rien, ça, les Français ne le supportent plus. Ils ont l'impression que personne ne fait rien. Ce que les Français ne supportent plus, c'est cette forme d'accumulation des violences.
qui émergent dans la société française. Et j'ai envie de dire, de toutes parts, sans créer une forme de psychose, mais force est de constater qu'il y a peu de lieux où vous pouvez prétendre à être protégé de tout acte de violence. Quand vous êtes un cycliste sur la voie publique, très franchement, dans une route de campagne, qui vous dit que vous allez être percuté par un camion, mais que plus que d'être percuté par un camion, le chauffeur va descendre, non pas pour vous être aider. Dans une posture d'assistance à personne en danger, mais de vous rouer de coups en présence de qui ? De son fils qui est mineur. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans l'esprit de ce chauffeur, il est accompagné de son fils qui est mineur. L'exemplarité du père dans son comportement dans la société. Non seulement il percute un chauffeur, mais comme je viens de le dire, il ne descend pas voir comment il va, pour éventuellement lui porter secours. Non, il descend pour le rouer de coups devant son gamin qui est mineur. Et qui voit son père agir de la sorte. Et il se dit quoi, un gamin, quand il voit son père agir de la sorte, avec l'autorité qu'il incarne et qu'il représente ? Ben, mon père, il a un comportement peut-être qui est normal. Et ce comportement qui est normal, il y a une forme de mimétisme qui peut s'installer rapidement. Donc c'est doublement scandaleux ce qu'a fait ce chauffeur, vis-à-vis, effectivement, de son comportement sur le plan civique, mais vis-à-vis aussi de son autorité de père. Il risquait 3 ans d'emprisonnement avec 45 000 euros d'amende. On lui a mis, effectivement, 2 ans avec sursis. C'est la réquisition. Donc, bon, il ne fera pas de prison parce que si c'est ça, il le portera un bracelet. Et derrière, il y aura peut-être une peine d'intérêt général qui sera corrélée. Mais c'est vrai qu'on a de quoi s'interroger. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce chauffeur qui est connu de la justice, disait le défenseur. Donc en plus, connu de la justice, qui a un casier judiciaire. Donc ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est peut-être pas tranquille du cerveau. Donc, mais pour vous dire, la réalité, c'est que qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce père de famille qui est au volant de son outil de travail pour réagir de la sorte. Bien sûr. C'est de la folie. Jean Garrigue, pourquoi c'est symbolique cette scène ? Ce qui se passe, c'est symbolique de cette dislocation de nos sociétés. Pour ça, je reviens au concept de crise. Oui, il y a une crise sociétale, il y a une crise, tout est lié, une crise du commun, une crise de la solidarité, du respect de l'autre, du respect aussi des hiérarchies, du respect du père, et on est dans quelque chose qui est alors il y a des tas d'explications, des tas de raisons. Moi notamment, je pense que l'hyper-individualisme de nos sociétés en est un facteur majeur, y compris dans l'éducation qui est donnée aux enfants et la manière dont on a un peu trop tendance à les mettre un peu sur un piédestal pour réagir contre des éducations qui étaient au contraire beaucoup trop fermes, beaucoup trop sévères il y a une cinquantaine d'années. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est disloqué dans le sens, ça se retrouve dans le politique. C'est pour ça aussi que vous avez cette France morcelée qui ne se retrouve pas, qui ne se reconnaît plus dans ses élites, parce que on est là dans, on ne se supporte plus. Ce que vous disiez sur la voie publique, les cyclistes comme moi qui fait beaucoup de vélo sur ces petites routes sont sans cesse sous la menace de voitures ou de camions qui vous frôlent. Comme si vous n'existiez pas. C'est-à-dire que c'est l'existence de l'autre qui est nié. Alors, ce à quoi il faut rajouter pour toute une génération aujourd'hui, le fait qu'ils vivent beaucoup dans les jeux vidéo, etc., où là, on est dans un monde, là aussi, virtuel, etc., où la vie, la mort n'ont pas beaucoup de sens. Bon, si vous mettez tout ça en commun, là, vous avez ces résultats-là. Je ne pense pas que ce routier-là est forcément un adepte des réseaux sociaux. Hein. Mais et je trouve que la valeur d'exemplarité dont parle Karim, elle est fondamentale. Parce que, par exemple, vous avez dans les écoles, moi je suis dans un milieu où il y a beaucoup d'enseignants, je vois de plus en plus des parents d'élèves qui viennent insulter les enseignants, qui viennent insulter d'autres parents d'élèves, qui viennent c'est scandaleux, ça, on ne le dit pas assez. Tu as raison de le souligner. À une certaine époque, vous étiez corrigé à la maison lorsqu'on vous avait effectivement engueulé ou sanctionné à l'école. Aujourd'hui, c'est le professeur combien c'est de plus en plus fréquent. C'est de la folie. Hein, on passe souvent sous le tapis, mais c'est de plus en plus fréquent. Alors, Alexandre Devecchio, juste sur cette agression. Essayons d'élargir. Effectivement, tous les repères fondamentaux sont tombés par terre. Et à l'école,
On a l'impression qu'aujourd'hui, l'école est un service et qu'il n'y a plus effectivement de hiérarchie. Avant, l'instituteur, le professeur représentait une autorité. Aujourd'hui, on vient formuler des créances, l'engueuler. Et donc, tout est à faire. Mais ça, c'est un excès de démocratisation, j'ai envie de dire. Il y a moins de démocratie au Parlement. Mais on est, oui, effectivement, dans un individualisme. On peut même rajouter, si on veut parler de l'école, que l'école instruit de moins en moins et que malgré tout, vous voyez qu'au bac, les élèves ne savaient pas ce que signifiait ludique. Je pense que certains individus ne sont plus capables de verbaliser ce qu'ils ressentent et ils sont dans la pulsion pure et simple. C'est peut-être ce qu'on voit là, quelqu'un qui est hyper brutal. Ensuite, sur ce cas, moi, je trouve qu'il devrait sans doute faire de la prison ferme parce que moi, je ne suis pas en sécurité de le savoir dans les rues. Il aurait pu le tuer doublement, d'abord avec son camion, ça peut être un accident, et ensuite, il l'achève à coup de poing. Donc, ce n'est pas simplement la bagarre, deux individus, ça chauffe entre les deux, il y a un coup de poing qui est échangé, il le lâche, quoi. Donc là, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de prison ferme, et je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'on devrait aller plus vite, une justice plus rapide, et effectivement, les petites peines se sont montrées efficaces aux Pays-Bas. Ils ont construit beaucoup de prisons, et aujourd'hui, elles sont inoccupées parce qu'effectivement, ils ont mis en place cette politique de petites peines et que les gens ne commettent beaucoup moins d'infractions. Et du coup, ces prisons deviennent même parfois des hôtels. Ça, c'est pour l'anecdote, mais pour montrer que c'est efficace. Ça peut marcher. Et on dit souvent que la prison est l'école du crime. Pense que, d'une part, elle n'a pas pour fonction normalement de réhabiliter, elle a d'abord pour fonction de protéger de la société. Et ensuite, elle peut quand même avoir une vertu éducative. Je pense que s'il y a une sanction rapide, une peine courte, ça peut dissuader un certain nombre. Il s'est passé 6 mois protéger et réhabiliter entre les faits et le procès. Certains endroits, c'est très rapide. Il y a d'autres endroits où ça pourrait être 2 ans, effectivement. Et sur les vertus de la prison, la peine ferme et rapide, on en est plus que convaincu. Parce que je vous dis, il y a une démonstration qui est mathématique. Quand on parle des policiers qui interpellent des gens qui ont 50, 60, 70, 80 faits, c'est bien qu'il y a un problème et qu'il n'y a plus rien qui leur rentre dans la tête pour arrêter. Donc ces gens-là n'ont jamais vu la prison. On parle de faits réitérants. Pour ceux qui seraient incarcérés sur des petites peines, moi j'y crois parfaitement. Après, quand l'argument qu'on a en face souvent, c'est oui, mais la prison est un incubateur à délinquance. Mais oui, évidemment, comme on y mélange tout le monde et qu'il n'y a pas assez de place, si on met les gens à 5 par cellule, ça ne marche pas. On fait rencontrer les petits délinquants avec les gros. Il faut faire des prisons adaptées en fonction du parcours criminel qu'on a.